Hé hey Alex, je suis au cimetière du Mont-Saint-Michel et j'ai ouvert la boîte rouge. Voilà. Le rouge, c'est une alarme. C'est... Ah oui, je fraude. Parce que c'est... Enfin, je veux dire, une semaine ici, c'est cool. On mange bien, on mange bio en plus. On a des super couettes, des super coussins en plumes. Truc de ouf. On a même des rideaux. Bonjour Angélique, ça va? Merde. Ah, je vois que t'es... Salut. Ça c'est Alex. Salut Alex, j'espère que tu vas bien, la forme. Merde. Tu lui as raconté déjà ce que tu viens faire ici. Allez. Ouais, je suis... Tranquille. Par contre, j'ai un petit chiffre sympa pour toi. Ouais. 26%. Fait partie des 26% qui ont craqué, qui ont fraudé, qui ont craqué. C'est pas grave, hein. Je suis pas là pour te juger, tu sais, on est là pour t'aider. Hein. C'est Damien, du coup. Je me sens comme une petite fille qui a mis les pots dans le doigt de confiture. Hmm. Non, les doigts dans le pot de confiture. Là, c'est pas grave, j'ai compris. Comment tu veux vivre, toi, cette expérience de ton côté? La première semaine ici au centre? Ouais, voilà. J'ai du mal sans lien en fait. Mais le lien il est partout autour de toi, le lien il est là. Désolé Alex, je te reprends une petite minute. Je suis trop scraque. Je me prends une baffe. Du coup, qu'est-ce qu'on fait en jeu? Qu'est-ce que t'en penses toi Alex de tout ça? Je lui ai raconté comme on était bien ici en fait. Alex, tu savais que ton téléphone, tu n'étais pas censé l'avoir ou... Ouais. On va tous t'aider et on va remettre ce téléphone dans la boîte rouge, non? Alex est d'accord. Non, est-ce que c'est quelque chose que t'as envie de faire? J'ai envie. Ça viendra de toi? Ouais. La nomophobie, Alex. Pourquoi je suis venue là, c'est pour me sortir de la nomophobie. Et qu'est-ce qui t'a fait craquer à prendre ce téléphone? C'est... Ce que je disais à Alex, c'est que la boîte était trop rouge pour moi. C'était tellement rouge que ça m'appelait, c'était comme un aimant. Et c'était la couleur, en fait, qui m'attirait. C'était la couleur. C'était la couleur. T'as parlé un petit peu avec les autres pensionnaires ou... Ben, pas... Tu peux me citer un nom, de pensionnaire? Pas autant que toi, là, maintenant. Un nom de pensionnaire. Ben, il y a Lucie. Lucie a travaillé ici. C'est bien, je connais Lucie. Ouais, il y a Lucie. Dame de la cantine, bon. Ouais. Elle me donne des chocolats. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Ouais, on y va. Ok. On repose ce téléphone, on va découvrir la vie, on va découvrir qui nous sommes. Ok. Ouais. On se dit à dans 2 semaines, alors. Tu vas le faire? Alex, t'es témoin, elle l'a dit, hein? Ouais. Voilà, exactement. Alex ne répondra même pas, en fait, de toute façon, okay. Si tu l'appelles pendant 2 semaines. Non, si bah non. Si tu t'appelles, même Alex va me prévenir. Non. Okay. J'aurais essayé. du coup, tu fais ce choix. On y va. Ça y est, on dit au revoir. Ok, ouais. Allez, merci Alex. Je la revois. Bisous Alex.